Le numéro 34 canadien de Nouveau, né le 30 avril. Le 30 avril pour ce match de Champ du Coq et Evelyn de Nouveau. Alors évidemment, de nouveau carré, de nouveau cube. Puisque nous avons ici, présenté par Liliane de Nouveau, en l'occurrence représenté par son mari, Guy de Nouveau ici même, le neveu de Voilà de Nouveau. Et aussi Affuge de Nouveau, et aussi de Viens de Nouveau. Voilà. Parce que Voilà de Nouveau a été un excellent cheval de course, titulaire de combien déjà il a pris 428 000 euros de gain et talent à Radillon. C'est pas grave. Et donc Voilà de Nouveau, et aussi Atuju de Nouveau qui a gagné le prix prédicateur à Auteuil, et Pierre de Nouveau qui était deuxième du Jacques de Vienne et qui a gagné le Gaston Branard à Auteuil. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire que la production de cette paresse. Un marché, Guitou ? Allez, on va pouvoir marcher, peut-être qu'il va pouvoir se libérer un peu ce poulain. Bien de Nouveau, As-tu vu de Nouveau, Voilà de Nouveau. Et la mère, Evelyn de Nouveau, oui, elle est par Spanichon, elle compte une place à 4 ans en obstacle. Elle nous présente ici son premier produit par le jeune étalon Champ du Coq, représenté aujourd'hui par ses premiers 3 ans. Il a fait, j'ai oublié son nom, mais il a fait un vainqueur, son premier vainqueur il n'y a pas très longtemps, Champ du Coq. Tony Star, Armin Star, c'est la famille Vandenbrol en fait, c'est la chose Vandenbrol, le château entier à la base. Et là, le mot pour un poulain qui s'appelle Canada de Nouveau, né le 30 avril. Alors pourquoi il s'appelle Canada de Nouveau? Parce que Liliane et Guy Nouveau, pour la première fois de leur vie l'année dernière, sont partis en vacances. Et puis s'il dit, puisqu'on va en vacances, on va aller loin, on va pas aller à Saint-Jean-de-Mont, on va aller au Canada. Voilà. Au trot, s'il vous plaît? Tiens, lâche-le. Voilà donc Canada de Nouveau avec l'incarnation. Et le 30 avril, le neveu de Voilà de Nouveau par Jean-Claude.